Voilà, bienvenue, 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 bienvenue. Je vois le drapeau du Cameroun. Bienvenue les Camerounais, très chers Camerounais, très chers Africains, très chers Guinéens. Donc, on a tous suivi ce qui s'est passé. En fait, il y a Doncas, docteur Diané. Doncas qui était ministre, premier ministre, voilà, de la fin. De Louga François. Maintenant, on a Diané qui était le ministre de la Défense. On a Zakaria, on a Oyé Gilavogui qui ont été envoyés en prison aujourd'hui. Ils ont été mis sous mandat de dépôt. Ils ont été conduits à la maison centrale de Conakry. Donc, il y a beaucoup de personnes qui parlent. Ça parle, ça parle. Mais d'abord, on va écouter leur avocat. Ce que dit leur avocat par rapport à cette situation. Placé sous mandat de dépôt, quelles sont vos premières réactions? Je confirme que mon client, le président Ibrahima Kassori Fofana, a été effectivement placé sous mandat de dépôt aujourd'hui. J'ajoute que la procédure qu'il a amenée en prison est entachée d'une panoplie d'irrégularités que nous allons révéler devant l'opinion nationale et internationale, à travers la déclaration que le collectif des avocats fera très très prochainement. De quoi on le reproche? Et je crois que les chefs d'accusation sont connus déjà de tous. On ne voulait pas, on n'allait pas m'amener à revenir sur ces chefs d'inculpation. Donc, ce qui nous intéresse pour le moment, c'est de relever ces irrégularités. D'informer l'opinion nationale et internationale que mon client, le président Ibrahima Kassori Fofana, ne devrait pas aller en prison. Il ne mérite pas d'aller en prison. En quoi la procédure est entachée des règles? De façon succincte, est-ce qu'on peut avoir une idée de ces règles? Le fait que la procédure n'a pas été respectée, nous avons été pendant quelques jours devant à la gendarmerie, comme vous avez pu savoir. C'est l'avocat de Kassori. Il dit, voilà, son client ne mérite pas d'aller en prison. Et on a vu des gens manifester aujourd'hui. On a vu des gens manifester devant la direction centrale des investigations. Voilà, disant que, voilà, ils doivent être libérés. Donc voici les quatre qui ont été conduits en prison. Il y a Kassori, il y a Diané, il y a Oyé Gilavogui. Et à Zakaria, tous des dignitaires de l'ancien régime. Maintenant, bon, il y a certaines personnes qui disent que c'est un coup monté, c'est une stratégie bien planifiée pour pouvoir mettre main sur celui d'Alain Diallo après et le foutre en prison sans que quelqu'un ne bronche un seul mot. Parce que, voilà, les gens diront, ou bien le CNRD dira qu'ils n'ont même pas épargné Kassori et autres. Donc, ce n'est pas celui d'Alain Diallo qu'ils vont épargner. J'ai entendu des communicants de l'UFDG dire que ça, même Kassori a été à la base du plan. C'est-à-dire qu'ils vont les arrêter. Ils ont dit qu'ils vont les juger le 11 là, le 11 de ce mois. Aujourd'hui, on est le 6. Donc, le 11, c'est quel jour? Le 11, c'est quel jour? Le 11, c'est le lundi. Ouais. Le lundi qui arrive là, là, c'est le 11. Donc ils ont dit qu'ils seront jugés. Le procès aura lieu le 11 là. Mais en tout cas, bon, on trouve que c'est rapide. Je ne sais pas c'est quelle enquête qui a été menée précédemment pour qu'ils en arrivent là. Mais en tout cas, ils ont été auditionnés pendant 3 jours. Hein? Ils ont été auditionnés pendant 3 jours. Après, on voit aujourd'hui, ils ont été conduits directement à la maison centrale de Conakry. Il y en a qui ont été conduits là-bas, les quatre ont été conduits, il y a déjà d'autres qui étaient là-bas, qui étaient déjà en prison, des anciens dignitaires du régime. Et voilà, ainsi de suite. Maintenant, bon, il y a beaucoup qui disent, il y a beaucoup qui disent que c'est du cinéma. C'est du cinéma. En tout cas, ce qui est clair, ce qui est clair, net et précis, et que voilà, celui d'Alain Diallo
quel qu'en soit PDX, ils vont mettre main sur lui. C'est clair et net. Et puis, bon, leur objectif est clair. L'objectif est très clair. Parce que tout ce qu'ils veulent, c'est l'écarter. Ils ne veulent pas que Cheikh Diallo, en tout cas, se présente aux élections présidentielles qui arrivent là. Ça, au moins, c'est clair et net. Ils ont tenté par tous les moyens. Ils ont essayé de le salir. Et là, d'autres pensent qu'ils ont arrêté Kassori et Diané et autres. Ils les ont conduits à la maison centrale de Conakry. Simplement pour pouvoir bien nettoyer le passage afin de mettre main sur Cheikh Diallo et le foutre en prison. Le mettre sous mandat de dépôt, le coller, en tout cas une poursuite judiciaire pour ne pas qu'il puisse se présenter aux élections présidentielles. Voilà, que ça tienne ou pas, on ne sait pas, on est là, on observe. On est assis là, on observe. Ce qui va se passer, on ne sait pas, on regarde, on attend la fin du film. On attend la fin du film, mais en tout cas en Guinée, ce qu'il faut retenir, ce que moi je déplore, c'est que franchement, on n'a pas bougé d'abord quoi. On n'a pas bougé d'abord. C'est grave, parce que là, on voit que, en tout cas, on part directement vers une crise. On part directement vers une crise. On voit des gens, hier, qui étaient là, à traiter tous les manifestants, tous ceux qui manifestaient, qui réclamaient. Voilà, aller dire non, qu'ils sont des fouteurs de troubles. Et aujourd'hui, j'ai été étonné de voir des gens comme les Malébec et Consoy et d'autres personnes. Kanabona, merci beaucoup pour les étoiles, Sista. C'est très, très gentil. Merci pour les étoiles. Et qu'on sort, sortir, manifester, dire que non, c'est entré ici, c'est patati, c'est patata. Vous dites que vous aviez faim. Hein? Ceux qui sont sortis pour manifester, ils disent qu'ils ont faim. Ceux-là. Ils disent qu'ils ont faim. Mais ils en vont demander la libération de quelqu'un qui est accusé de détournement de fonds. Parce que les gens comme les Kassori, c'est clair et net comme l'eau de roche qu'ils ont détourné des milliards et des milliards et des milliards et des milliards. Et c'est récent. Ce n'est même pas une longue histoire, au fait. Maintenant, bon, on sait aussi qu'en tout cas, la charrue est placée avant les bœufs. Parce qu'on a des crimes de sang. On a des crimes de sang qui sont là. Le CNRD n'en parle pas. Il y a eu combien de morts? Combien de personnes ont été tuées? Hein? Combien de familles ont été endeuillées dans ce pays? Mais le CNRD ne parle pas de ça. Ce qui les intéresse, c'est les crimes économiques. Au fait, les crimes économiques sont prioritaires devant les crimes de sang. Sinon, il y a eu janvier-février 2007. Les bourreaux sont connus. On n'en parle pas, on ne parle pas de ça. Il y a eu 28 septembre 2009, au stade du 28 septembre. Les bourreaux sont connus. Mais on ne parle pas de ça. Hein? Durant tout le régime de Louga François, il y a eu des centaines et des centaines de morts. Hein? Le CNRD ne parle pas de ça. Il s'attaque à des crimes dits économiques. Pourquoi? C'est quoi le but? C'est quoi l'objectif? On est là, on observe, on ne sait pas. On est là, on observe, on ne sait pas. Je suis du RPG en vérité, c'est Alpha qui dirige jusqu'à présent. Ah, il t'en a coulé, ben. Ça, c'est ton avis, on respecte ton avis, mon frère. Et donc, vraiment, on ne comprend pas. Parce que moi, à mon avis, il fallait commencer par les crimes de sang et venir sur les crimes économiques. Ils ont mis les assises en place, soi-disant, au fait, ils sautent l'histoire de justice par rapport aux crimes de sang. Ils nous mettent une soi-disant assise nationale qu'au nom, les gens n'ont qu'à aller parler là-bas des réconciliations. Il n'y a pas de réconciliation, il n'y a pas de paix sans la justice. On oublie la justice, donc on ne peut pas parler de réconciliation. Parce que les victimes sont là. Les parents des victimes sont là. Il y a des gens qui sont handicapés à vie. Ils sont couchés. Ils m'appellent ici tout le temps. Il y a des gens qui ont perdu leurs membres, qui sont là, qui sont bloqués. On ne parle pas d'eux. On ne parle pas de ces personnes. Hein? On ne parle pas de ces personnes. On ne parle pas de tous les morts. Mais on s'attaque aux crimes économiques. C'est vrai qu'il faut s'attaquer aussi aux crimes économiques, mais je pense qu'on devait commencer par la priorité, les crimes de sang. Parce que ce qui est plus important, il y a eu mort d'homme. Là, on parle de détournement de fonds, mais là-bas, il y a eu mort d'homme. Il y a des gens qui ont été tués, qui sont enterrés aujourd'hui. Pourquoi on ne parle pas de ces personnes? Hein? Pourquoi on ne parle pas de ces personnes qui sont enterrées, qui sont tuées, enterrées, qui ont été tuées par balles?
Hein? C'est grave. On ne met pas la charrue avant les bœufs. Et on voit qu'en tout cas, il y a une volonté. Il y a une volonté d'écarter certaines personnes. La volonté, elle est là, elle est claire. C'est le Daleng en fait partie. Sidya Touré en fait partie. Maintenant, Doncas. On dit Doncas fait partir du coup. C'est-à-dire tout ce qu'il arrive là, tout ce qu'on voit là, que c'est de la politique, c'est du cinéma. Ça a été planifié. C'est-à-dire ils vont le prendre, ils vont partir le déposer. Hein? Après, ils vont l'envoyer à la maison centrale de Conakry. Hein? Ils vont les prendre là-bas le lundi. Là. Ils vont les juger, ils vont les libérer. Ils vont les mettre sous contrôle judiciaire. Ils vont les mettre sous contrôle judiciaire. Après, ils seront là, ils seront libres. Par après, Kasori pourra se présenter aux élections, on ne sait pas. Hein? Mais en tout cas, c'est clair et net. C'est le Daleng. C'est le Daleng n'a qu'à se préparer. Billahi wallahi tallahi n'a qu'à se préparer. Ils vont le prendre feu. Ils vont le convoquer pour l'histoire de Air Guinée. C'est clair et net. On a déjà écouté la CRIEF par rapport à ce dossier. Et il a été cité. Mamadou Sylla, l'autre ministre, comment il s'appelle déjà, j'ai oublié son nom. Voilà, l'autre ministre autant de Air Guinée. C'est Lou Daleng Diallo. Ils iront à la CRIEF. Et ils iront à la maison centrale. Ouais. Ils iront à la maison centrale. Ouais. Ils iront à la maison centrale. Tranquillement, tranquille. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer avec ces Lou Daleng? On ne sait pas. En tout cas, la volonté de l'écarter, elle est flagrante. Elle est claire comme l'eau de roche. C'est clair et net. Et lui aussi, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer, mais en tout cas, bon, ils vont l'arrêter. Et puis, je ne vois rien qui va se passer après, quoi. Je ne vois rien qui va se passer. Voilà, ça m'étonnerait qu'il se passe, en tout cas, grande chose. Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait, parce qu'il a quelle force. Hein? Les gens vont sortir manifester. On a vu aujourd'hui, j'ai parlé du deux poids, deux mesures qui se passent dans ce pays. Des gens hier qui traitaient tous les manifestants de l'Axe là-bas de fouteurs de troubles, hein, de pagailleurs. On a vu les personnes là aujourd'hui, ils sont partis en ville. Ils sont partis en ville manifester, dire ce qu'ils veulent, faire ce qu'ils veulent. Ils n'ont pas été. C'est-à-dire, ils n'ont rien fait. Au contraire, ils étaient encadrés, les gendarmes étaient là. Les gendarmes les observaient. Ouais. Ils disaient tout ce qu'ils voulaient dire. Ils faisaient tout ce qu'ils voulaient faire. Ouais. Mais à la moindre manifestation sur l'Axe, on voit ce qui se passe. Tout récemment ici, quand les jeunes ont essayé de sortir, même si j'étais contre, parce que moi je vois quelqu'un qui a un caillou ne peut jamais s'arrêter devant quelqu'un qui a une Kalachnikov. Ça, je l'ai dit haut et fort et puis je le maintiens. Et je suis contre toutes les manifestations qui seront programmées sur l'Axe. Voilà. Soit tous les Guinéens se lèvent pour manifester, soit tous les Guinéens restent assis. On a vu cette poignée de personnes. Ils sont partis là-bas. Est-ce qu'ils ont été gazés? Est-ce qu'ils ont été arrêtés? On a vu les Malébéki qui étaient parmi eux. On a vu, ils insultaient Doumbouya. Ils faisaient ce qu'ils veulent. En fait, ils insultaient, ils disaient ce qu'ils voulaient, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Hein? Voilà. Ils traitaient Doumbouya de narco, de tous les noms. On les a entendus, on les a écoutés. Hein? Mais ils n'ont pas été inquiétés. Ils ne les ont rien fait. Ils ne les ont rien dit. Aucune personne n'a été interpellée. Personne n'a été arrêté. Hein? Personne n'a été brutalisé. Mais sur l'Axe, qu'est-ce qui se passe? Même s'il y a une manifestation sur l'autoroute, ils vont trouver une occasion pour monter sur l'Axe, rentrer dans les concessions, arrêter des gens, brutaliser des gens, frapper des gens, hein? Frapper des pères, frapper des mères, arrêter des jeunes. Au nom de quoi? Vous voyez, c'est le deux poids, deux mesures là qui nous fatigue en Guinée. C'est le deux poids, deux mesures. Soul, j'ai envie d'écrire, mais tu vas me bloquer et j'aimerais pas ça. Ah mon frère, fais attention à ce que tu vas écrire, hein, sauf si je vois pas. Toute personne qui mettra un commentaire bande de compte, tu seras banni. Ça, c'est automatique. Ça, je badine pas avec ça. Si c'est une critique positive, il n'y a pas de problème. Mais un commentaire bande de compte où tu m'insultes, ou bien tu insultes, je vais te bloquer. Wallah billah, je vais te bloquer.
Ça, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à faire. Tu ne verras plus mes vidéos. Ah, ça, c'est clair. Et donc, vous voyez, on dénonce deux poids, deux mesures. On a vu ce qui s'est passé aujourd'hui. Regardez, regardez vous-même. Attendez, je vous montre. Regardez vous-même. Je vous montre ce qui s'est passé en ville. Les gens qui sont allés manifester là-bas. Hein? Ils sont allés dire tout ce qu'ils veulent. Écoutez, écoutez ce gars. Merci pour Adjiratou, merci pour les étoiles. Ah bon? Kamé? Kamé? Omaïlé, wallahi billahi tallahi, Omaïlé. Vous êtes des guignols, vous êtes des comédiens. Quand vous disiez yé yé, levons-nous pour notre destin, hein? Pour notre avenir, pour l'avenir de nos enfants. Faisons face aux criminels. Hein? Réclamons nos droits. Vous disiez quoi? Vous disiez quoi? En Aotagi. Aujourd'hui, qu'au Kamé. Kamé. Kamé, il faut ramener. Il moussait se comprendre. Donc, vous les aviez entendus? Écoutez cet autre. Écoutez cet autre. Les gens qui sont partis manifester, ils sont bêtes. Hein. C'est des bêtes qui sont partis se réunir là-bas. Au fait, c'est mal, les bêtes et puis sa bande. Et puis des gens qui réfléchissent comme lui. Des gens qui ont du caca à la place du cerveau. C'est eux qui sont partis manifester là-bas. Ils sont allés manifester pourquoi? Ils sont allés demander la libération de Kassori en disant qu'ils ont faim. Il est où le rapport? Il est où le rapport au fait? Attends. Ils sont allés demander la libération de Kassori. Ou bien ils sont allés dire qu'ils ont faim. Que nos mamans sont comme ci, sont comme ça. Kassori va changer quoi dans ça? Kassori a été premier ministre ici. Tout récemment ici. Au temps du colis. Ils sont allés casser des maisons des gens, des pauvres. Kassori est sorti pour dire quoi? Un mensonge. Que non. Ils sont pas au courant. Ils ne savent pas d'où vient l'ordre. De casser maisons des gens. C'est Kassori qui nous a dit. Par rapport à l'électricité de Cancan. Le Chinois est mort. Kassori. Vous partez réclamer la libération de Kassori tout en disant que vous aviez faim. Elle a où la cohérence? Vous voyez le paradoxe? Vous voyez le paradoxe? Vous voyez votre vie? Hein? Maintenant, ceux-là, ils sont partis là-bas. Regardez les gendarmes. Hein? Regardez les gendarmes. Regardez bien les gendarmes. Hmm? Regardez les gendarmes. Attendez. Regardez les gendarmes. Les gendarmes, regardez comment ils sont arrêtés. Ils ne sont pas armés, ils n'ont rien dans les mains. Ils les observent. Regardez. Regardez les gendarmes. Hein. Vous voyez. Ils sont arrêtés peinards, ils observent. Tranquille, ça va. Voilà, tranquille. RAS. Regardez le paradoxe. Regardez sur l'axe. Comment ça se passe sur l'axe? Tout récemment ici là. Tout récemment. Il n'y a que quelques temps. Regardez. Je vous montre une image. Vous allez voir. Regardez un peu. Hein? Attendez, je vous montre ça, cette image. Regardez sur l'axe, regardez-les.
Regardez comment ils arrivent sur l'axe. Comme s'ils vont au front. Regardez-les. Regardez. La question que j'ai envie de poser, la simple question que j'ai envie de poser, ceux qui sont sur l'axe et les Malébéki qui sont allés manifester aujourd'hui en plein centre-ville, c'est quoi leur différence? Sont-ils pas tous des Guinéens? Sont-ils pas tous des civils? Pourquoi cette différence de traitement envers le même peuple, envers les Guinéens? Pourquoi? Pourquoi? Hein? Si c'est sur l'axe, vous déployez un arsenal de guerre. Un arsenal de guerre pour partir sur l'axe. Il y a des exactions. Des gens sont brutalisés, sont maltraités. Il y en a qui sont arrêtés. Il y en a qui sont tués. Sur l'axe. Ceux-là, ils sont venus manifester. Peinard. Les gendarmes sont arrêtés, ils les observent. Quand je vais parler, ils vont dire, ah, Bixou, l'atno. Vous voyez la vérité, mais vous n'aimez pas dire la vérité. Vous n'aimez pas dire la vérité de façon claire. Hein? Vous n'aimez pas la vérité. Mais moi, je vais vous dire la vérité, puis la vérité vous affranchira. Ça ressemble à un cinéma, en fait. Ils sont partis là-bas. Encadrés par les gendarmes, ils font semblant de manifester. On voit les Malébéki. Malébéki, un imbécile qui mérite d'être dans une cage. Il s'en va manifester là-bas encore pour la libération de Kassori. Hein? Le plus grand criminel économique de la Guinée, c'est Kassori Fofana. On se rappelle des milliards qu'il a détournés depuis au temps de Conté. Le conteneur d'argent, qui a entendu parler? Le conteneur d'argent qui a entendu parler par rapport à Kassori. Hein? Qui a entendu parler de ça? C'est le plus grand criminel économique. On les voit. Regardez-les. Regardez Malébéki, hein? Regardez Malébéki. La Guinée Morogny, il est où le rapport? La Guinée Morogny, il est où le rapport? Vous partez manifester pour demander la libération de Kassori, mais vous dites la Guinée Morogny, il est où le rapport? Vous dites Kamel Amouma, il est où le rapport? Hein? Il est où le rapport? Vous n'êtes pas sincères, les gars. Vous n'êtes pas crédibles, les gars. Vous faites du dépôt des mesures. Si aujourd'hui vous aviez compris qu'on doit se lever dans ce pays pour manifester, pour réclamer nos droits, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que vous aviez su ça. Hein? C'est aujourd'hui que vous aviez compris la situation de ce pays. Qu'au Kamel Amouma. Ah, c'est aujourd'hui vous... Ah! Donc quand nous on parlait, c'était quoi? Quand on disait, levons-nous, on doit se lever de Kassa à Yomou, parce que la Guinée est en retard. La Guinée, c'est un pays en voie de sous-développement. On n'est même pas sous-développé d'abord. Vous avez le sous-développement, c'est une étape. Il y a le sous-développement, il y a le développement, il y a l'émergence. Hein? Après, voilà, on devient une puissance. Mais la Guinée, c'est un pays en voie de sous-développement. On a tout, en même temps, on n'a rien. Ah, moi, mon frère, moi, je vais fermer ma gueule, mais c'est la dernière fois de commenter ici. Ah, lui, on ne l'a pas dit, hein? Il ne s'est pas renseigné. Faut te renseigner avant de commenter ici, mon frère. Faut te renseigner avant de commenter ici. Quand je pense à ce pays, mon cœur se déchire, au fait. Le dépôt de mesures, la démagogie, hein, qui existe dans ce pays, c'est incroyable, au fait. C'est incroyable.
pour ceux de l'Axe ne connaissent pas la manifestation pacifique. Déjà, vous entendez parler de manifestation, vous descendez avec un arsenal de guerre, de faibles. Si vous êtes fort, allez-y au front. Allez-y au front si vous êtes fort. Ceux-là, ils viennent, ils sont venus manifester, ils ont insulté. Même ils ne les ont pas dit. Ils les ont observés, ils les ont laissés faire. On va voir. Celle nous sera arrêtée. On vous le dit en même temps, et puis on le sait. Ils vont mettre main sur celui d'Alain Diallo, ils vont le conduire en prison. Ouais. Billahi wallahi. Sauf s'il n'entre pas en Guinée. Et s'il n'entre pas en Guinée, il est éliminé d'office aux élections présidentielles. Il deviendra un exilé. Ils vont le pousser à l'exil. Je sais que ça ne va pas arriver. Je vois des militants de l'UFDG dire, ou bien certaines personnes dire, ah, c'est nous d'aller, ne rentre pas au pays, parce qu'ils vont t'arrêter, ils vont te mettre en prison. S'il n'entre pas au pays, il est éliminé d'office. En fait, il parlait là plus grand jamais de pouvoir. C'est-à-dire qu'il devient un exilé. En même temps. Maintenant, s'il rentre en Guinée, Wallahi billahi tallah, ils vont mettre main sur lui. Ils vont mettre main sur lui. Ils vont le présenter devant la CRIEF. On sait, ils vont faire leur tralala, leur blablabla. Hein? Après, ils vont le prendre pion. Ils vont dire mandat de dépôt, direction la maison centrale. Pour crime économique, détournement de fonds publics, c'est tout. C'est exactement ce qui va se passer. Ouais. C'est exactement ce qui va se passer. Nos esprits sont déjà prêts. Les esprits sont déjà prêts. Ouais. On est là, on observe. Guinée République, je vais te bloquer, mon frère. Je vais te bloquer tout de suite. Voilà, parce que réfléchis avant de commenter. Ouais. Réfléchis avant de commenter. Je bannis. Ah, je bannis des billets, je vais te bannir. Tu ne pourras plus commenter. Ceux qui voudront intervenir, envoyez des invitations, je vais vous prendre, vous allez intervenir, vous allez dire ce que vous pensez. Même les RPGistes, vous êtes invités ici, venez. Venez, les RPGistes, venez nous dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous pensez de la situation. D'autant disent que c'est du cinéma. C'est pour préparer le terrain afin de mettre main sur la véritable personne. Ouais. D'autant le disent. C'est pour mettre main sur qui? Sur celui d'Alain Diallo. Le foutre en prison, le coller une poursuite judiciaire afin qu'il ne puisse pas se présenter aux élections présidentielles qui arrivent. Parce qu'ils savent, s'ils se présentent, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à faire. En tout cas, dans une élection, co-ethno.